Puis là, on est en train de charger la voiture pour aller à Cologne. C'est ça nos vacances. C'est pas sexy, mais au moins on sera tous ensemble pour Noël. Là, je suis accompagnée de mon papa. Oh, allô. Allô. Et Yaloum. Ça va y aller à Noël. Ouais, et on attend Olivier et Océ qui seront dans l'autre voiture. On a un petit 246 km à faire. Puis, je vous prends avec. Marquez, hein. Go. Là, je suis en train d'embêter Olivier et j'ouvre les coffres de la voiture pendant qu'il est là-bas parce qu'il est embêtant. Hong Kong, hop. Allez, il vient de fermer le coffre. Alors, c'était chiant. Mais nous, on n'a plus de place. Alors? Ouais. Pourquoi tu pleures? Parce que papa n'a des bobos. Prends-la, prends-la. Mais pourquoi tu râles? Parce qu'on a ouvert le coffre plein de fois. Hop, et voilà l'appartement. La master bedroom. Si tu veux, je couperai. La petite, l'autre petite chambre là. Regarde, Olivier, il essaye de faire la paix maintenant. Et puis les enfants. Bon, le sapin n'est pas décoré, mais il est grand. Oui, il est très 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 grand. Mais tout le monde dit que c'est un vrai, mais c'est pas vrai. Si, c'est un vrai, c'est lourd. Oui. Non. Wayo, ça va? Yeah. Toi, ça dit quoi? Yeah. Tu te chillaxes? That's your side. Yeah. It's nice pillow, my side. Mais il est bien ce pillow. I just sink it to my pillow. Il est bien, bien, ouais. Et puis voilà. Ah, j'ai pas fait la salle de bain. Voilà. Allez, salut. Vous allez dire la vérité? Attends, si je te vois pas. Toi, la vérité. Vas-y. Toute la vérité. Qu'est-ce qu'il y a? La vérité. Arrête, c'est loup. J'aime pas ce comportement, par contre. Ah ouais, la lumière, elle est bright, bright, bright. Là, on va dans le plus grand marché d'Europe. Marché de Noël d'Europe. Ça va être un vlog vraiment... Vraiment... Waouh, ça éblouit quand même, hein. Ça va juste être nous en train d'acheter des trucs. J'ai pas dit mes amis, je pleure. Oh, c'est loup. De mon petit mignon. Pikachu. Mais pourquoi tu stresses? Qui a des stress? Ciel? Là on marche, ouah c'est bright hein, vers le marché de Noël. Est-ce qu'on est au bon endroit? Nous ne savons pas. Mais on y est quoi, enfin on y va. Vous étiez contente d'aller au marché de Noël? Ouais, je suis trop contente. C'est un petit rêve quoi. En fait, c'est un rêve, tout est un rêve. Aussi, on aurait dû être où là? En Laponie. Alors à la place on a Cologne parce que Olivier n'aime pas le froid apparemment. Maman! Céline! Moi, je vais acheter avec mon argent des jouets. Tu vas acheter quoi comme jouet? Je sais pas. Toi, t'as tous ces monies. Ok, alors là, j'ai plein d'argent. Et il y a aussi papa qui a volé mon argent. Il t'a donné de la monie? Non, il a volé. Il t'a volé de la monie? Oui, alors j'ai ce money. Attends, mais comment il t'a volé de la monie? Papa, papa, est-ce qu'il y a des pièces dans ta poche? Non, ils sont dans la voiture. Mais Ciel, elle a dit que tu lui avais volé de la monie. Mais Ciel, j'ai pas tout tôt. Mais c'est 100 euros. T'as donné 100 euros à Ciel? Arrête. C'est un malade. Mais dis pas ça dans la vidéo. Après, elle va encore dire que c'est des rich kids. Excuse-moi. Après, elle va dire I'm rich. Non, mais elle a failli faire tomber le billet par contre. J'ai vu. Je dis ça, Ciel. Mais laissez ça dans sa poche. Mais c'est elle. Ciel, mets dans ta poche. Non, non, non. Ciel, tu ranges parce qu'il y a des gens qui passent dans la rue et ils prennent. Oui, mets dans ta poche. Les gens, ils piquent la monie. Mets dans ta poche. Mais pourquoi tu veux que montrer et prouver aux gens que t'as de l'argent? Toi, tu mets dans ma poche. Déjà de 1, t'es dans un pays que tu connais pas, ok? Tu connais pas, donc tu commences pas à courir. Ton money, tu le mets dans la poche. C'est important que tu le mettes dans ta poche, Ciel. Ciel, y a des gens... sinon je reprends. Allez, 1. Y a des gens qui peuvent prendre et voler. Mets dans comme ta poche. Comme ça, ils vont venir. Voilà. Maintenant, tu fais quoi? Maintenant, tu vois quoi? Mets dans ta poche. C'est pour ça que tu dois mettre dans ta poche. C'est ton money, mais tu le mets dans ta poche. Allez, tiens, et tu le fermes, secure. Toi, Wayo, tu vas faire quoi de ta money? I don't know. I just money, it's your simple. Jean, Ciel. Tu peux me donner de l'argent? Non, t'as assez d'argent. Please. Mais t'as plein d'argent. Non, j'ai que 3 euros. T'inquiète. Moi aussi, c'était chiant. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on pensait que c'était quelqu'un qui marchait à 4 pattes. Ah ouais, j'avoue. Un t-shirt. Waouh.
Waouh. Oui, c'est joli, mais on est là, on doit s'arrêter à chaque millimètre. Il y en a 150. Ah. Allez, on y va avant ce truc. Toi, pourquoi t'es comme ton père? English. Non, English. C'est quoi que tu veux? L'abeille. L'abeille. Ouais, je sais. Tu le veux? Tu me donnes 20 euros? Je pense le rose, là, c'est 20, peut-être c'est 10. Non, le rose, il est bleu. Le 20 euros, il est bleu. Elle a plus les 20 euros. Elle l'a plus? Mais on a utilisé. Elle a des pièces dans sa poche. Ah. Merci, hein. Ok, oui, bien sûr, elle a assez. C'est la monnaie qui arrive. Hein. On va voir si c'est plus. Tu t'es acheté un B? No way, avec ton own money. Fais voir. Il est attends, attends. Il est tout beau. Tu veux pas nous avoir? Thank you so thank much. You. Thank you. Nice. Tiens ton change, bye bye. Attends. Pour lui, non. Ça va, t'as bien dormi? Oui. Et tu faisais quoi ce matin? T'es motivé à faire des pompes comme ça dès le grand matin? Oh, ça va mon cœur. Ça va mieux? Hier, t'étais tellement fatiguée, t'avais l'air triste. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es triste? Juste fatiguée? Ça va la tête toi? Pourquoi tu vas allumer la lumière même? Ah là là, ça donne pas du tout bien la caméra. Comment ça? Ça fait plein de... rose. Oh. Bon là on s'est réveillé. Silou est là. Wayou est là aussi. Il vient de se réveiller aussi. Aujourd'hui on va à un endroit spécial, mais je peux pas encore dire parce que il y a des gens à côté de moi qui peuvent pas savoir. Mais ça va être trop chouette. Et je vais prendre la caméra avec, même si c'est très lourd. Franchement c'est chiant. Mais c'est pour la bonne cause. En plus, demain c'est Noël. C'est le réveillon de Noël, ouais. Alors, Happy Christmas! Oh, mais t'es trop cute, toi! Apparemment, tout le monde doit venir parce que j'ai un cadeau sur sa part. C'est ciel qui est organisé, hein? Tu peux organisé. Venir dans le lit. Ok. Et tu peux regarder dans ce pillow. Ah, surprise! Papa! Papa! C'est qui l'a emballé ça? C'est moi. Ciel, elle emballe c'est... mieux que moi-même. Waouh! C'est du money? Laisse-moi open pour toi. Mais non, laisse-la open pour elle. Mais non, mais non, non, c'est elle qui doit. Non, elle... bah non. Ok, ok, pardon. Ok, pardon, ah, pardon, merci. Pardon, ah, pardon. Joué, merci pour pardon, ce j'ai Noël, dit. Stéphane. Viens, c'est Lou. Waouh! Il y en aura encore, allez viens! Oh! Oh! On fait de la patinoire! C'est trop mignon! Moi je veux trop faire la patinoire! Voyons, on fait de la patinoire? Mais il y a rien pour ça. Il y a que les bras.
neige. Oui. Tu crois que c'est de la vraie neige, voyons. Neige. C'est de la neige. Neige. C'est de la neige. Maman, je pense pas que c'est de la neige. C'est pas grave. Tu vas aller voir le monsieur là-bas ou pas? Là, là, lui. Non. Non. Ciel, toi, tu veux? Non. Ok. Mein Name ist Otto von Böckelstedt. Ich bin der Direktor dieses Hotels. C'est une galère. Und ich muss Sie warnen, Boden ist verboten. Ils m'ont déjà perdu. Wenn Sie dieses Hotel verlassen wollen, was ich gut verstehen kann. T'es prête? Non. On est dans un hôtel, je crois. You don't have to do it. Maintenant, on va y aller dormir, les gars. Peut-être pas Océane, papa, Océane, papy. Mais nous. Deux fois Océane. Et maman. Océane, papa, Océane, papy. Oupsis. Mais bon, on va dire. On a venu dire bonne nuit à tout le monde. Et on va lire notre histoire et on va aller dormir.
parce qu'il est very late. Bonne nuit. Bonne nuit. Là, on part visiter un parc. Je sais pas c'est quel type de parc parce que vu le lieu, c'est quand même compliqué. Hein. Mais on visite un espèce de parc. En plus, il pleut. On n'a pas pris de parapluie, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. T'en avais deux, j'en avais un, on en avait trois. Ouais, on en a pris zéro. Voilà. Il y a des enfants en faire son vélo. Ah, on est au bord du Rhin. C'est quoi ça? Non, ça c'est une mauvaise indication. On va pas là quoi. Mais autre c'est un spa pour le moment, il est tout un complexe. Mais il fallait nous dire que tu voulais nous inviter au spa, Olivier. Au de Cologne. C'était ça. Non, c'était pas ça. C'est pas ça l'activité. Pas que c'était ça qu'il voulait faire. C'était pas ça l'activité. Non, c'est l'activité, dommage. C'est ça, c'était un parc. Apparemment, il y a des grands trucs, des murs d'escalade pour les. Ok, let's go, Mario. Ah mais voilà. Il fait pas très chaud hein. C'est glacial. Il fait même je dirais glacial. C'est extrêmement froid. Ouais. Donc jusqu'à présent il avait pas plu et on décide de sortir quand il pleut. Voilà. Mais il faut pas trop les fatiguer pour ce soir hein. Ouais. Oh, c'est la cathédrale de Cologne. On a une très belle vue ouais en effet. C'est loin. C'est loin de ouf. Bah, c'est nul. C'est nul. Ça va pas vite. Je t'ai bloqué moitié du way. Je devrais me pousser. Ok, bah écoute, c'était un fail. Y a pas. Ça doit rester privé. Ah, ça coûte, ça allait aller dans mon bureau. En plus, tu sais que mes cadeaux pour vous, ils sont toujours dans ma chambre. Mais. Faut que tu les sortes. Non arrête, c'est catastrophique. Là je fais vraiment de la merde. En plus on a plus de scotch normal. Et figure-toi que j'ai retrouvé du scotch double. Ça veut dire qu'elle aurait pu en avoir. Elle aurait pu en avoir. Mais sache que ça nous sauve la vie qu'on en a encore parce que. Tu sais c'est quoi le meilleur scotch pour emballer les cadeaux? Non. C'était le scotch Emma. Ah ouais? Il était trop pratique. Non franchement c'est trop cool. J'ai trop hâte que tout le monde voit ses cadeaux. Moi aussi. C'est la meilleure partie du coup. C'est cool en vrai. C'est trop. Mon père m'a dit qu'on avait abusé. Pourquoi? Dans un gentil sens, dans un gentil sens, oui, dans la quantité. Donc c'est quand même la première fois qu'il fait Christmas avec nous. Mais franchement, je lui ai dit, tu n'as pas vu l'an passé. L'an passé, c'était de l'abus. C'était de l'abus. L'an passé, l'an passé c'était, socialement, c'était. C'était de l'abus. Pas possible. Ah non, non, mais là, je trouve que ça va. Là, moi aussi, je trouve qu'on s'est bien, on s'est amélioré dans le capitalisme. On essaie d'inculquer des valeurs correctes aux enfants. Oui. That's fucked up. That's so fucked up. Oh my god. So cool. J'ai eu tout sur vidéo. Piou, pipou. Oh merde. Non, parce qu'on se donne du mal quand même pour essayer de faire prendre parfois. Il faut qu'il s'agisse de respecter le truc. Faut savoir que Ohio n'y croit plus depuis l'an passé. On va ranger ce truc-là. Du coup, maintenant, qu'il ne croit plus au Père Noël. Arrête de dire ça. Ça se trouve, il y croit encore. Mais bien sûr que non. Et c'est très bien. La fille est la plus intelligente du monde. Je crois qu'elle a pas compris déjà. Putain. On dit que les lutins, ils n'ont pas eu le temps d'emballer les derniers cadeaux. Oh mais il y a encore beaucoup. Mais oui. Allez hey, les petits elfes. Qui a un mini cadeau comme ça? Qui a un mini? Attends mais qui a un petit cadeau? Mais c'est tout mignon. C'est peut-être une blague. Hein. Hey. En plus j'allais dire, je vous demandais de respecter l'esthétique initiale des cadeaux. C'est toi qui fous la merde. Je tiens à dire que celui-là c'est moi qui l'ai emballé pour toi. Oh, il est trop beau. Il est beau. Hein. Ouais. Moi aussi, j'ai fait des efforts d'emballage pour les trucs. Comme celui-là, par exemple. Ah non, ça c'est. Et regardez comment on calme. Ça se remplit. Je participe. Alors, qu'est-ce que tu fais? Oh non,
je t'assemble des trucs qui étaient importants. C'est un cadeau pour toi. Mais pourquoi tu casses tous mes cadeaux? Tu casses tous mes cadeaux. Non, mais j'ai pas fait exprès. Écoute, si elle a fait un effort, elle a mis même des petits trucs, elle a même mis... Elle a même dessiné a candy cane. Et elle a mis une étoile, je tiens quand même à le dire, tout en haut qu'elle a dessinée. Bon, c'est Olivier qui l'a mis, mais l'étoile, c'est elle qui l'a fait. Je pense quand même, ouais. De toute façon, il va être temps dans tous les cas d'aller au lit. Je vais y aller voir. Ok, okay, je viens, je viens avec toi. Il a passé. Non. Oh, il est passé. Mais il est passé. Il est passé par la fenêtre. Et il a même pas fermé la fenêtre, Celta. Il a fermé la fenêtre. Il a laissé beaucoup de cadeaux comme vraiment. Vous devez ouvrir le premier cadeau. C'était Ohio. Ohio. Oh, Ohio. Allez, je prends celui-là que j'ai vu en fait. Attends, j'ai vu un de mes cadeaux dans le sac et c'était vraiment correct pour une fois. J'ai commandé un truc d'avocado et c'était là! Non! Vise, je vise! Oh, photo creator! Quoi? Appareil photo Instagram. Ah ouais, oh, c'est un appareil photo! C'est à moi! Allez, vas-y, Cielou! C'est ça! Photo. T'as regardé ce qu'il y a ton nom dessus? Ciel! Ça dit ciel? Moi, j'ai pris ça! Maintenant, Dumpling pourrait avoir un friend. Mon ami est emotional. Il est trop mignon. Et il y a encore un. Il y a l'esprit-cœur. L'esprit-cœur. C'est quoi ça? Le banana. Oh, attends. Il y a plein de trucs à faire. Hein. Oh my god. Oh my god. Elle a eu plusieurs trucs en un. Ouais. Oh, oh, t'as dit quoi? Un Santa puppet. Happy Christmas. Ah non. C'est un sac sans fond, ça. Je jure.